Ok, le micro est allumé. Bonjour, hein. Aujourd'hui, je suis surexcitée. Pourquoi, à votre avis? J'entends pas. Parce qu'on va faire un haul. Un haul d'été, bébé. De Missou Makeup. Je crois que je me suis levée en forme ce matin. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire. Sachez que j'ai reçu des colis il y a plus d'un mois. Tous les jours, j'y passe devant, je suis là en mode... Il était temps de faire cette vidéo, hein. Donc aujourd'hui nous allons ouvrir du Asos. C'est celui-là que j'ai reçu il y a plus de mois. On en a un deuxième. Nous avons ensuite du Bershka. Et pour finir, un petit Pull&Bear. J'ai tellement hâte d'ouvrir ces colis. Il faut savoir que je vais en plus cet été à deux festivals. Ouais. Et du coup je cherche la The tenue. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai dû prendre des trucs aussi à franges, machin. J'ai pas besoin de préciser, mais je ne me rappelle absolument plus ce que j'ai pris. Mais j'aime bien, tu vois, garder la surprise comme ça. Avant d'ouvrir tous ces colis, cette vidéo est en collaboration avec Igraal. Si vous ne connaissez pas Igraal, c'est LE bon plan pour faire des économies toute l'année. Et davantage encore plus pendant les soldes. C'est un site, une application, une extension qui te permet de te faire rembourser une partie de tes achats sur internet. C'est ce qui s'appelle le cashback. Mais tu dois te dire comment c'est possible, comment ça marche. Ben tout simplement, Igraal touche une commission du marchand et vous en reverse une partie. Tu cumules tes gains sur ta cagnotte Igraal et à partir de 20€, tu peux les retirer ou par virement bancaire, ou PayPal, ou par chèque cadeau. Voilà. T'as 1700 marchands partenaires avec Igraal, donc tout secteur. Tu peux avoir Darty, comme tu peux avoir Sephora, comme tu peux avoir Asos, Pull&Bear. Ils ont aussi des codes promo que tu peux cumuler en plus des cashbacks et des soldes. Je vous dis, aujourd'hui, ça va être intéressant niveau économie. Et c'est bien sûr totalement gratuit et sécurisé. Moi, je sais que tous les achats que je fais sur Internet, j'utilise Igraal. Bon, attention, parce que moi, ça m'arrive d'oublier. Je vous conseille de télécharger l'extension pour ne pas oublier d'activer le cashback. Parce que ça m'est déjà arrivé de commander et de me dire après, punaise, j'ai pas pensé activer le cashback, du coup c'est dommage parce que par exemple à Asos, tu as 3,5% remboursé et ça vaut quand même le coup, hein. Moi je sais que ma cagnotte monte petit à petit, j'essaye de me faire un objectif de pas y toucher pour avoir le max, tu vois ce que je veux dire, hein. Et en plus j'ai une offre pour vous, un cadeau de bienvenue si t'es pas encore inscrit sur Igraal, avec le lien que je t'ai mis en barre d'infos, tu auras 10€ lors de ton inscription au lieu de 3€. La moitié du chemin est fait puisqu'à 20€ tu pourras retirer. Donc c'est vraiment plutôt cool. Hein. Et c'est parti pour découvrir mes petits achats. Alors on va commencer par Asos, hein, le plus vieux colis. Celui-là vraiment je me rappelle pas du tout ce que j'ai pris. Hop, on n'oublie pas la petite pince à épiler. C'est bien sombre tout ça, dis donc. Ah moi là je vous le dis, le soleil machin, ça me donne envie de mettre de la couleur. Ouvrons le premier article, je vous mets bien sûr tous les liens en barre de description, hein, les liens pour Igraal, les liens des vêtements. Ouh, oh, ça c'est vraiment le style de robe que j'aime. Hein. Pull&Bear. Et oui parce que sur Asos c'est vrai qu'ils font Pull&Bear, mango, etc. J'ai pris taille S, j'espère qu'elle ira bien. C'est parti pour essayer la première robe. Ok, donc voilà la première robe portée. J'aime beaucoup, j'adore cette forme, j'adore la couleur. Après, honnêtement, je trouve qu'elle taille pas très bien. Ben, si tu te tiens droite, tu vois, ça va. Mais bon, dans la vraie vie, tu me verras rarement marcher comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plutôt en mode... comme ça, quoi. Donc, du coup, quand tu te tiens moins droite et tout, même si tu baisses, je sais pas, il y a beaucoup de plis. Mais franchement, je chipote. Elle est très jolie. J'aime beaucoup la fente et tout. Passons à la suite. Allez, on va partir sur du kaki. Ouh, c'est une matière que j'aime bien ça. Plutôt pas mal cette robe, dis. Marque Asos taille 34, j'ai bien fait parce que je trouve que Asos taille un peu grand. Et cette robe m'a l'air très jolie. Ah punaise, je suis allée au resto il y a quelques jours, je savais pas quoi mettre. Si je t'aurais mis ça, ça aurait été parfait. Oh my god, cette classe attitude. Bonsoir, oui, je suis Miss Makeup. Elle taille super bien, hein. J'adore cette robe, je la trouve tellement classe, très simple, hein. Mais le décolleté, le petit nœud ici, elle taille super bien. Tout est parfait pour faire une belle robe. Ah non, frère, je l'ai un kilomètre. Qu'un petit sac, ouh, regarde. Un petit sac en paille comme ceci, là. Tchac tchac, petit look vraiment sympa, ou encore et celui-là, là. Bon, celui-là, je ne l'ai jamais mis, comme vous pouvez le constater. Mais il irait très bien aussi avec ce robe. Hein. Oh, j'adore. Hein. J'ai envie de dire, nous commençons très bien cette vidéo. Article suivant. J'ai l'impression que c'est un pull.
Eh ben non, je me suis trompée. C'est une robe crochet comme ça. Ouh, elle a l'air belle avec des franges en bas. Bon là, on risque de voir à fond ma culotte de règles. Je préfère vous prévenir. Je suis en pleine hémorragie en ce moment même. Et du coup, j'ai la The Maxi culotte. Mais c'est pas grave, on fera abstraction. Oh my god, les filles, j'ai un coup de cœur. Regardez-moi cette beauté. Bon, hein, ça n'existe pas, hein, imaginez... ou rien dessous, j'ai envie de te dire un petit string couleur peau. Parce que là tu vois genre j'ai rien, enfin ça se voit pas, enfin je crois. C'est exactement ce que je recherchais comme robe. Regardez ça, elle est trop belle, bon dommage cette culotte. Mais sachez-le, à chaque fois que je fais un haul, j'ai mes règles. Ça loupe pas. Bah, allez, on va faire un peu de noir quand même. Ouh, je vois de la couleur après, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouillou que ce léger ça. C'est rikiki mais très joli. C'est comme en transparence avec des petits détails. J'ai pris taille 34, je crois que j'aurais pas dû. Miss Selfridge, hein, ça me semble tout petit mais bon, essayons. Ok, voilà pour cette petite combi short, je sais pas trop quoi en penser. C'est ma foi très court quand même, hein, mais c'est super mignon. Bon, par contre là il faut mettre un bandeau parce qu'à tout moment j'ai l'impression que ça peut partir et coucou les boobs. Mais bon, comme je disais, très mignon. Je garde. Ensuite, on va ouvrir ça parce que ça m'intrigue trop. Là, j'ai craqué mon slip chez Assoir, ça, je vous le dis. Oh là. Oh. Oh, 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 mais si, ça peut faire magnifique. Robe longue comme ça, très volatile. Le décolleté devant, moi j'adore. Le motif est hyper original, je trouve. J'ai hâte de l'essayer. J'ai cru que je n'allais pas y rentrer, les filles, j'ai pris 34. Je sais pas quoi en penser. J'ai même pas réussi à fermer jusqu'au bout. Je me sens un petit peu comprimée parce que là, on dirait que ça fait genre effet corset un peu, tu sais, t'as des lanières comme ça qui sont vachement dures. Donc je pense qu'il faut prendre la taille habituelle. Elle est canon, non? Ou je sais pas. J'ai du mal à être sûre de voir si ça me va bien ou pas. Je la trouve très originale. Avec les petits volants comme ça, ce motif. Elle est jolie quand même, franchement, mais j'aime beaucoup, je crois. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'elle sert vachement ici. Et là, avec les volants, ça fait du volume. Donc si t'as pas trop de hanches ou quoi, que tu voudrais t'en rajouter... Ce style de robe là, ça va bien pour ça je trouve. Non écoutez, je pense que je vais la garder parce que je la trouve vraiment très belle cette robe. Vous me direz en commentaire comment vous la trouvez, si ça me va bien. Suivant, on va prendre ça. Là niveau motif, je suis moins fan. Hein. Toujours marque Miss Selfridge. Oh, si elle taille bien, elle pourra être très mignonne hein, avec des lacets derrière comme ça. Elle est fluide. Hein, écoute, avoir porté, mais je pense qu'elle peut faire très jolie. Du coup voilà pour cette robe portée, j'ai l'impression qu'on voit ma magnifique culotte à travers. Mais sinon elle est mignonne, j'aime beaucoup le derrière en fait. Je trouve que le derrière est très joli. Les bretelles sont réglables et tout, donc ça peut bien tu vois serrer la poitrine et tout. Donc pas besoin de mettre de soutif. La petite fente toujours, écoutez non, c'est une robe qui est pas folle mais qui va bien et que je mettrai. Donc c'est parfait. On continue avec cette chose. C'est une robe. Qu'est-ce que c'est cette robe? C'est original, je m'attendais pas à ça. Donc c'est le haut qui est crocheté comme ça avec un bas, tissu coton quoi. J'ai hâte de voir porter, tu vois, c'est pas un truc, je me serais pas arrêtée dessus en le voyant comme ça. Mais porter, si ça taille bien, ça peut être sympa. Donc c'est Asos petite, hein. C'est fait pour les petites et j'ai pris taille 36. Oh ben là j'aurais dû prendre en taille 34, hein. Ça met beaucoup trop grand au niveau du haut, la jupe nickel. Hein. Et même un poil plus courte, tu vois, ça m'aurait pas dérangé. Donc taille 34 j'aurais dû prendre, hein. Mais après elle est hyper originale. Les détails sont très jolis du haut. Hein. J'aurais pas cru autant aimer, mais le fait que ça m'aille grand, je sais pas si je la mettrai. Allez on continue Missou, parce qu'on a beaucoup de trucs à ouvrir. Oh. Ah bah c'est toujours la même marque que celle en noir. Hein. C'est la même forme, hein, en version blanc et dentelle cette fois-ci. Ok, donc voilà pour cette petite combi. Je suis pas trop fan. C'est très mignon, hein, je pense que je vais la garder, que je la mettrai. Mais honnêtement, je l'aurais essayé en magasin, je l'aurais pas pris je pense. Ah, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, c'est un haut. Il nous faudrait un bas, donc on va le laisser de côté. Ah ben terre, nous avons un bas, et pas n'importe quel bas. Un short, mini short en jean, Levi's. Mais écoutez, on va essayer le short avec le haut. Ok, donc là on commence à arriver dans les vêtements qui vont pas. Commençons par le haut, qui je sais pas, je sais pas quoi en penser. Là au niveau de la poitrine, j'aime pas. Et avec un soutif, ça serait compliqué parce qu'il se verrait. Donc je sais pas du tout quoi penser du haut. Et le bas, beaucoup trop court. Tu peux pas le mettre plus bas sinon ça spoutit trop les fesses. Donc je pense qu'il se porte réellement comme ça. Mais ça pour moi, mais jamais de la vie, je mettrais un short aussi court. Ouais non, je peux pas, je suis dégoûtée. Là vraiment, deg. Et puis pas très fan en plus des trous, tu vois. Donc dégoûtée. Passons à l'article suivant. Ah mais attendez les filles, regardez ce que je viens de trouver. D'accord, c'est un ensemble. Ok, donc là nous avons le short assorti. Oui. Me dis pas qu'il s'est cassé.
Oh, les manches se lèvent. D'accord, j'ai eu peur. Ah, oh, c'est sympa ça. Faudrait trouver une solution. Pour que tu vois, faudrait que ça reste en l'air comme ça. Parce que c'est joli quand même. Franchement, j'aime bien, hein. Je me suis pris des lunettes de soleil. J'en cherche trop des styles Ray-Ban. Mais en sachant que les Ray-Ban ne me vont pas, un jour, j'étais allée chez un opticien. Oh, j'ai essayé toutes les Ray-Ban. Et bien, ça m'allait pas. Du coup, je me suis tournée vers la marque Vans. Attention, moment de vérité. Là, j'ai l'impression que ça va pas. Que tu sais, c'est trop rapproché. Mais ça passe, hein, ça passe. Mais ouais, non, je trouve trop les ronds. Il aurait fallu qu'ils soient un peu plus écartés, ça aurait été nickel, je trouve. Bah, je suis un petit peu dégoûtée là. On continue. Ok, robe toute simple, mais avec des boutons devant. J'espère avoir pris 34. Yes. Voilà pour cette robe portée. Franchement, la taille, heureusement que j'ai pris 34, c'est nickel. J'aime beaucoup que ça soit ouvert aussi, ça casse un petit peu le côté, tu vois, enfermé de cette robe. Elle est très jolie. Niveau taille, nickel. Les petits boutons, j'aime beaucoup. Non, franchement, tu sais pas quoi mettre. Bim, petite robe comme ça, j'adore. Ensuite, on reste toujours sur du noir. Oh, ok. Petite robe de soirée, on dirait. Ok, donc là, on est sur une robe très simple, mais qui est plutôt mignonne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, le tissu est extrêmement stretch. Donc même si c'est un peu trop petit, c'est pas grave, ça s'étend vraiment bien. Très jolie robe. Pareil, tu sais pas quoi mettre en soirée. Ça fait toujours son petit effet. On continue, donc il nous reste deux articles de ce colis. Ah, donc là, on est sur un petit haut volanté. Comment on fait? Ben, on va l'essayer par-dessus la robe, hein, tant pis. J'aime beaucoup la couleur. Attends, je crois que c'est le derrière, ça, non? Puisqu'il y a le... Il y a l'étiquette, hein? Comme ça, genre? Ah non, c'est pas possible, c'est beaucoup plus joli l'autre côté. Je comprends pas, pour moi, ça se porte comme ça. Et pour voir ça aussi, je crois que c'est un haut, hein? Un petit haut très simple, comme ça, qui se fronce sur le côté. On va l'essayer aussi par-dessus. Il faut imaginer avec autre chose, mais il est très sympa, ce petit haut. Avec le petit fronçage et tout de chaque côté. J'aime bien. Mais écoutez, on va ouvrir celui-là de chez Asos, hein? Ok, j'avais pas rêvé donc. J'avais bien pris des Ray-Ban. Quand je suis allée chez l'opticien, là, je les avais pas essayées celles-là. J'espère qu'elles vont bien m'aller. C'est plat au-dessus. Eh, franchement, elles sont trop belles. Ray-Ban. Déjà, on y voit très bien dedans. Je crois qu'elles sont plutôt pas mal, non? Ou par contre, elles me tombent. Vous croyez qu'on peut resserrer sur le côté de la tête, hein? Parce que tu vois, si je les mets là, hop, elles descendent. Ah non, parce que franchement, je kiffe. Ah, je kiffe, je trouve qu'elles me vont bien. Très jolie, je suis très contente. On remet dans la petite pochette, hein? Ah, je crois que là, j'ai pris des tenues pour le festival. Qu'est-ce que ça, mais... Mais c'est lourd! Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, je crois que je me rappelle, c'est un haut avec des longues franges. Hein. J'avais eu un coup de cœur, j'avais banqué aussi. Mais c'est une lourdeur, c'est pas possible. C'est super lourd, mais regardez, pour un festival, ça serait pas parfait ça? Je vais l'essayer direct, on va laisser la culotte dessous. Honnêtement, j'ai la cagne de le fermer. Parce que je suis pas trop fan. Bon, après, faut dire qu'avec la culotte dessous, c'est pas jojo. C'est tellement lourd, je te jure. Ça me fait mal. Non, je me sentirais pas de mettre ça à un festival, quoi. Pourtant, j'adore les franges, les strass et tout. Mais non, on est trop mal dedans. Donc, je vais le remettre comme il faut pour le renvoyer. Passons à l'article suivant. Le festival où je vais. Ça pourrait être sympa le soir de mettre quand même une robe un petit peu festive. Et du coup... Mais elle est lourde aussi. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui me prend? Pff, là, j'ai l'impression que je vais être un sapin de Noël. Hein, pour voir, essayons. Ah, qu'est-ce qu'on est mal là-dedans. Il y a mon chat qui me regarde. Il est à deux doigts de me sauter dessus. C'est une jolie robe, hein, mais... Oh, c'est stylé quand même. Hein. Oh, c'est beaucoup trop lourd. Moi, j'ai envie de me sentir à l'aise. Hein. C'est épais. Enfin, pareil. Ça va pas. Hein. Je vais la renvoyer. Hein. Mais écoutez, dernier article. Ok, donc là on est sur quelque chose d'assez simple. Petite robe en crochet comme ça. Bon là par contre, ça m'a l'air d'être hyper en transparence. Ok, bon, très jolie robe, hein, mais à mettre avec le maillot dessous. Je vous le dis, ou alors cacheté-ton. Et puis elle est vachement échancrée sur le côté. Donc ouais, à mettre sous le maillot, mais sinon c'est très belle robe. Bon, mais écoutez, on va passer à la suite. On va ouvrir maintenant Bershka. Je vois de jolies choses, hein. Cette robe, les filles. Oh my god, c'est vrai. J'ai eu un coup de cœur sur le site, hein, en me disant, je sais pas si je la mettrai, mais je la veux. Une robe vraiment... regarde. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce
que tu nous as acheté, Missou? Mais écoute, porté, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai pris, pour être sûre, hein, XS et S. Parce que quand je vous dis que j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur. Donc vraiment, pour pas me tromper, quoi. Et ensuite, renvoyer l'autre taille. Mais là, je me sens plus d'humeur à mettre du S. Donc c'est parti pour la portée. C'est spécial, hein, mais j'adore. Je suis archi fan de cette robe. Je la trouve trop belle. Mais qu'elle sait que je mettrais une robe pareille? Je sais pas. Mais c'est une robe qui en jette, quoi. Elle taille super bien. Tu vois, c'est froncé sur les côtés. Donc du coup, ça met en valeur le fessier. Le rose est trop beau. Ça, franchement, j'adore que ça soit ouvert comme ça. Ah non, franchement, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais moi, perso, je kiffe. Donc du coup, XS, je vais renvoyer. Prenez votre taille habituelle. Bershka est un marchand partenaire, hein, d'Igral. Donc quand j'ai commandé, je crois que j'avais 2% de remboursé. On va essayer cette petite robe qui est tout à fait un autre style, quoi. Vraiment, je me rends compte que j'ai absolument pas un style particulier. J'aime tout. Elle est vraiment riche. Qui cette robe, non? Mais c'est pas pour moi, ça. Mais non. C'est pour Emma. Waouh, Emma va être contente. Elle est trop belle. Punaise, je suis deg. J'aurais dû prendre pour moi aussi. Donc ça, c'est du 10-12 ans. La mémoire me revient un peu. J'ai pris quand même un truc pour elle et pour moi. Celle-là, c'est pour elle. Ah ben, c'est la même en noir. Franchement, elle est trop jolie. Hein. J'adore. Mais écoutez, moi, j'ai pris taille S. On va l'essayer tout de suite. Voilà la robe portée qui est très mignonne. J'aime beaucoup la forme du décolleté. Là, tu mets un soutif, tu vois, un petit peu comme ça. Là. C'est plutôt pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Très jolie, cette robe. Ensuite, il y a ça qui m'intrigue. C'est une robe marron, crochet aussi, je crois que c'est hyper tendance cet été. J'ai pris taille US, j'ai bien fait parce que ça m'a l'air d'être assez serré. Avec une fente, ça peut faire très joli. J'en peux plus tellement j'ai chaud. Alors là par contre il faut qu'on m'explique pourquoi cette fente est aussi haute. Mais surtout trop large parce qu'encore haute ça irait mais non, j'aime pas. Elle aurait pu être très belle mais j'aime pas qu'on mette rien. Donc ça celle-là je la garde pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est, ça m'intrigue ça. Ah c'est une robe hein. J'avais vu quelque part que c'était un dupe de la marque Skims de Kim Kardashian. Ouais, niveau forme et tout, c'est pareil, hein, la fente derrière. C'est vrai que c'est très stretch et ça a un effet côtelé. C'est parti, voyons voir ce que ça vaut porter. Quelle est cette tache? On dirait une tache de Javel. Oh non, en plus je l'adore. Mais c'est sûr qu'elle y sera plus avec les soldes, c'est sûr et certain. Ah, je suis dégoûtée. Ça a décoloré. En plus, elle est pile poil au téton, quoi. Ah, je suis deg, parce que regardez comme elle va trop bien. Voilà, la fente derrière. Elle taille super bien. On est trop bien dedans, je vous le dis. La couleur, très jolie. C'est vrai qu'elle met le corps en valeur, je trouve. La forme du haut, comme ça et tout. Ah, je suis dégoûtée. Franchement, je suis très déçue, Bershka. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, continuons. Oh, je suis dégoûtée. Donc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris une robe blanche. Hein. J'ai cru que j'allais me marier ou quoi. Écoutez, c'est une belle robe. Mais je vais pas la garder tout simplement parce que je ne la mettrai jamais, ça c'est sûr. Elle me sert beaucoup trop. Après, c'est là où je vois que j'ai vachement bronzé. Comment le blanc ça fait ressortir le bronzage de ouf quoi. Mais après, ouais, si t'as invité un baptême, un truc comme ça, c'est sympa comme robe quand même. Il nous reste cette robe. Ah, ça y est, je me rappelle de celle-là. C'est vrai que celle-là elle est originale. Je vais vous la montrer portée, vous allez voir. Oh my god, cette robe est canon, les filles. J'aime trop. Ah, mais je vous jure, coup de cœur. Je trouve tellement original ça. Accroché par des petits trucs dorés comme ça. En plus, on est vraiment bien dedans niveau longueur, nickel. J'aime beaucoup aussi la forme du haut, le dos aussi, très joli. Oh là là, je suis fan de cette robe, hein. J'adore. J'ai une tête de cabourde. Je suis plus du tout coiffée, mais honnêtement, cette robe magnifique. Et il nous reste du coup à essayer cette jupette. Je la trouvais super jolie avec ses poches comme ça. Mais par contre, on l'essaye avec quoi? On va remettre celui-là haut pour essayer avec. Alors là, il y a un gros souci. Tu pourrais te dire de devant, oh, elle va bien. Mais de derrière, c'est juste pas possible. Déjà, à peine je me baisse, on verrait tout. Elle est beaucoup trop petite, beaucoup trop serrée. Pourtant, j'ai pris taille 36. C'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup ce style de jupe. Mais presque ça irait à Emma quoi. Ben écoutez les filles, il nous reste un dernier colis. Pull and Bear. Nettement, je suis trempée de chaud. On va commencer direct par ça. Oh my god. Je me rappelais. Oh le chat, pardon. Mon amour, pardon mon bébé. Je me rappelais absolument plus que j'avais pris ces chaussures. Qui sont très jolies, mais après elles sont ma stock. Hein. Mais ça fait genre espadrille comme ça. Bah, attends, on va d'abord se changer parce que ce haut à tout moment, tu m'as compris? Pour voir. Ok, donc ça, j'ai toute la collection, je crois, de ces shorts. Je l'avais pas en cette couleur. Ils sont super confort. Je pense même pas qu'on va l'essayer. Hein. C'est vraiment très simple. Hein. Bah, du coup, on va essayer cette tenue. On a la jupette. Hein.
comme ça. Et ça, je trouve que pour l'été, ça va trop trop bien. Avec, qu'est-ce que c'est ça? Il est rikiki la praline est le haut quand même. Hein. Ah d'accord, comme ça en triangle. Ben, c'est parti pour essayer. Hein. Ok, donc voilà pour cette tenue portée. Je suis pas très fan. Déjà, c'est pour mettre par-dessus le maillot, hein, parce que vu comment c'est court derrière, tu m'as compris quoi. Pas fan, je pense que je vais pas le garder. Pourtant, pas porté, j'aimais, mais porté, j'aime pas du tout. On va quand même essayer pour voir ces chaussures. Oh là, j'aime trop. Ça fait gros talon, hein. Mais je trouve qu'elles font un très joli pied. En plus, ça grandit, donc c'est sympa. Pour marcher, je pense, ouais, ça fait un peu lourd au pied quand même. Hein. Mais je les trouve trop trop belles. Hein. Je suis contente. Du coup voilà pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas aussi que je vous ai mis le lien description pour Igraal et le lien pour avoir 10€ en cadeau de bienvenue au lieu de 3€. Franchement entre ça et les soldes, vous pourrez dire que vous avez fait des économies. On se déculpabilise comme on peut. Hein. En tout cas moi je suis très très contente, surtout le premier colis à sauce, que des trucs que j'aime. Mais vraiment j'ai hâte de voir le montage, voir comment me vont vraiment les habits. Parce que souvent ça m'arrive mais tout le temps. J'ai l'impression qu'un truc me va trop bien, je suis là en mode bon j'adore et tout, et en fait je regarde le montage je me dis bon ça me va pas tant que ça, ou au contraire des trucs bof et au montage je trouve que ça va trop bien, donc c'est pour ça que quand je fais des hauls j'ai trop hâte de me voir au montage après. Mais j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes gros bisous et on se dit à la prochaine, ciao ciao.